Bon, j'ai fait des vidéos, je les ai effacées. Parce que c'était... Je trouvais que c'était inintéressant. Donc, j'ai préparé de quoi faire un autre carnet. Alors, je vais peut-être le faire demain chez ma mère, je ne sais pas encore. Avec des lacets, enfin des rubans. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, rose à points blanc. Donc, une base noire. Ça va. Des enveloppes uni-bleues à l'intérieur, ce que je préfère. J'ai relevé les dimensions. Sur mon carnet, donc j'ai mis le livret de Soso en sécurité, que j'aille pas l'entasser sous les papiers, donc ça je le garde mon carnet de scrapbooking. Oui, la fée clochette. La fée bricoleuse. Pourquoi? Parce que je touche à tout, même au bricolage. Ah oui, et oui, je bricole aussi. J'avais commencé à me faire des étagères à vernis. Manquait juste les barres devant. Mais le problème, c'est que avec le temps, ça s'est déformé. Donc, voilà. J'ai sélectionné 3 papiers, papier extérieur, papier intérieur, papier des enveloppes. Je crois que ça va pas mal ensemble, non? Je trouve. Ou alors celui-là à l'extérieur. À l'intérieur, non, c'est mieux comme ça. Et extérieur, ouais. Je suis décidée. Alors, je vais peut-être faire le traçage là, ou du moins peut-être l'extérieur. Je vous avouerai que je suis pas au top, ça se voit à mes yeux. J'ai lutté toute la journée. Ça a été crise de fibromyalgie, migraine. Après, tonne de moucherons qu'il y a. Mais j'ai trouvé la cause des moucherons. Peut-être qu'ils glouent à des vers. Je vais ouvrir la fenêtre, ça va les faire sortir. 30 secondes, on bouge pas. Je vais enlever la lampe. Enfin, si j'y arrive, je vais la pousser. Hop, hop là. Voilà, je savais qu'il y aurait un problème. Alors, il tient là, il tient là. Ah, oh, qu'est-ce qu'elle est dure à ouvrir celle-là. Voilà. C'est mal cadré. C'est mal cadré. Je ne sais pas cadrer. Voilà, on va monter un petit peu. Voilà. Alors, je vais me rapprocher, vous inquiétez pas. C'est pour que je sois le dos au fauteuil. Normalement. Voilà, je suis rapprochée au maximum. Voilà, voilà. Et les lunettes sont encore de travers. Donc, que je me base sur mon carnet.
comme ça, je vais vérifier si c'est les bonnes dimensions. Je vais faire ça comme ça, vu qu'il est à spirale. Et je vais m'y coller. Non mais ça, je réfléchis. Faut pas chercher. Parce que j'ai tout mis d'un côté alors que j'ai l'habitude que ce soit de l'autre côté. C'est parce que j'avais préparé, parce que demain, je vais chez mes parents. Donc, il me faut mon matos. C'est pas grave, je verrai ça, c'est pour plus tard. Je vais le mettre à ce niveau là. Voilà, donc je vais tailler dans le tas. C'est grand quand même, hein. Mais on fait pas mal de choses avec. Et ce qui est bien, c'est qu'elles sont blanches de l'autre côté. Elles sont pas recto verso. C'est l'album je vous redirai à l'occasion. Je l'ai là. Happiness Bloom from Weezing. Alors franchement, j'en ai fait combien avec celui-là? Un, voire deux. Ouais, non, mais j'en ai fait deux parce que j'avais deux blocs. Donc, 25. Alors, je vais peut-être mettre mes lunettes. Hein. On y revient. Je dis, on y verra plus clair, mais je cherche mon essuie de lunettes. C'est mieux. Donc je vais vous baisser, alors sans baisser trop. Hop. Ah. Voilà, je crois que c'est bon là, vous voyez bien. Ne répondez pas surtout, je rigole. Alors 25, 5 au milieu, je mets un repère à 25, je vais tirer un trait. Alors si j'ai pas de place, faut me le dire. Celui-là, là attendez. Ah, ça y est, j'ai trouvé. J'ai trouvé un, je vais trouver le deuxième. Forcément. Là. Un. Deux. Voilà. Sur 12-4. 4. Je me repère. Alors
là si. Comme ça, 12-4 et 12-4. Il est où? Il est là. Et du coup, c'est l'autre qui a bougé. C'est toujours comme ça. Alors, je mets un peu plus en retrait parce que mon critérium. Des défauts. Alors il en faut deux. Donc j'ai prolongé. Ah oui, non mais je tourne dans tous les sens. Quand j'ai besoin. Je me mets à ma main, forcément. Alors, c'est lequel? C'est celui-ci. C'est où? Je le repère en bas. Il est là. Et alors, il y en a un de 1, non, 2, 1,5. J'avais bien. Hein. Je me rappelle. 1,5. Hop là. Et là-haut. 1,5. Hop là. Oui, sur cette règle, c'est au bout, le zéro. Donc. Enfin, pour ceux qui connaissent, hein, j'ai rien dit. Oh, j'ai envie de me boire deux cafés tellement j'étais en manque de café. Ça fait trop du bien. Alors, ciseau. Ah oui, c'est mon meilleur ami, le ciseau. Je vais commencer par là. Parce que, franchement, je vais racheter un massicot parce que là c'est la misère, hein, mes massicots. Il y en a un, la lame s'enlève et il me déchire tout. L'autre, je sais pas où est passée la lame parce que il a tout paumé. Alors donc je trouve qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et j'ai appris à tout faire à la main. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Que ça, c'est bon.
Je m'applique, hein, c'est pour ça que je ne parle pas beaucoup. Je suis concentrée sur ma tâche. J'aurais dû faire le petit entre les deux. C'est ce que je vais faire. Je vais faire le sens contraire parce que là, ça, ce côté-là, ça n'ira pas avec ça et ça me gêne. Ah ouais, non, mais faut que ce soit bien fait. Alors, on a dit 1,5. Bougez pas, ça va le faire. Dès que j'aurai calé ma règle, est-ce que c'est droit? Voilà, puis je vais gommer ça. Alors, la gomme, fais ton travail, gomme-moi ça. C'est vrai que je fais des traits légers, hein. Voilà. Comme ça, ça me plaît mieux. Par contre, il y a des fois, on voit pas le trait, hein. J'ai beau avoir mes lunettes, sur le noir encore ça va, mais des fois sur le vert on les voit pas. Hein. Voilà, là j'ai du mal à la voir. Après sur le blanc et tout, ça va. Voilà. On a bien posé. Voilà. Comme ça, ça se suit. Et ça a une logique. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Il y a beaucoup de voilà. Donc, on va puncher. Ah, j'aime bien puncher. Non, j'ai pas dit luncher, hein. J'ai dit puncher. Je vais voir un truc là. Une rature. Voilà. Oui, 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 j'aime bien les voilà, moi. Ou alors Edin. Il s'était pas remis. Ouais, parce qu'il a des émotions. Il s'était pas remis de ses émotions. Ha ha ha. Ouhouhou. On va passer au collage. Un petit peu de collage. Bon, ça je vais le pousser. Hop, ça va avec. Collage. Colle Patex. La bois Patex. Oh, c'est joli. Trouvez pas que c'est joli?
un beau montage là, bien centré. Ah, je suis les côtes, hein. Maintenant il y en a un de travers. Il y en a un qui est trop grand par rapport à la feuille. Et pourtant, je les ai bien coupés. Je vais recouper là parce que ça me semble de travers. Hop, et je vais repuncher pour corriger. Ah bah ça va mieux là. Voilà, corrige les erreurs en faisant les essais. Voilà, il pas de travers, ça va. Bon, allez, on passe au collage. Fini les essais. J'ai encore le nez qui va couler. C'est bien quand on a assez de place. Des fois, j'ai pas trop de place. Et là, ça va. Ah. Alors, contre ordre, on n'a pas encore le droit de retirer le masque à l'extérieur. Pourquoi? Parce que ça a du lit. Et oui, ça a du lit, comme quoi. Il n'avait pas à prendre cette décision. Que c'était au supérieur de prendre la décision. Voilà. Et ouais. Donc. Nous sommes encore asphyxiés. Avec ces fichus masques, moi j'ai rien à dire, j'en fais. Moi ça m'a permis de bouger un peu parce que j'en ai fait pour les autres. Hop. Si je le centre pas, et puis je passe un coup là. Et là, il est un peu de travers, mais bon. Où je l'ai collé de travers, non, il est de travers. Pousse-toi le moucheron. Oh, mais il me cherche, lui. Pénible.
D'accord. Alors, on veut pas démarrer. Voilà, sur la colle, mais pourquoi pas, il va shooter le moucheron. Hop, je vais tenir où là. Ça, ça permet de bien appliquer, j'allais dire, le tissu. Ça va plus, moi. Voilà ce que ça donne. Hop, à un endroit, sur le côté et le dos. Voilà. Alors maintenant, il faut que je fasse l'intérieur. Comme j'utilise ni cutter, ni scalpel, ni quoi, ni caisse, bah c'est plus facile parce que je peux laisser le truc. Je vais mettre à la page. Non mais j'ai décidé, non mais oh. Hop. Alors, l'intérieur, je l'aurais peut-être une soirée, hein, qui sait. Qui c'est l'intérieur, c'était pas les mêmes dimensions. Alors je le prends comment, comme ça, je trouve que c'est plus joli comme ça. Oh, comme ça, faut que j'enlève la colle. Ça ira, ça ira, ah, ça ira, ça ira, ça ira. Je vais prendre dans quel sens? Je regardais si ma règle était du bon côté. Alors, 12,7. 7. Faire une belle marque. Reprends. Alors là c'est 1,8. Et je vois plus pas là, ça. Oui.
sur bah, 25. J'ai de la compagnie. Alors là, il faut que je marque aussi 25. Là, il faut que je marque aussi. Et 12,7. Je ferai le bas après. Donc, pas ma cigarette électronique qui me gêne. Donc, je vais relier ce point-là, là, à ce point-là. 19. C'est good. Voilà, l'intérieur est prêt. Ça tombe toujours, oui. J'ai mis mon ciseau en dessous. Donc, je vais découper d'abord en bas. C'est le plus pratique. Ah, si c'est pas droit. Je mange mon chapeau, j'en ai pas sous la main. C'est sûr que c'est plus long, mais là, moi, c'est pour avoir un meilleur résultat. Hop là. Ce que je disais, des fois on voit pas le trait. Hop. Et là. Je vais pas y arriver. Ça y est, je suis pile dessus.
C'est sûr que c'est beaucoup plus long. Et comme elle est pas chère, là... Enfin, le massicot est pas cher. Je vais m'en payer un parce que là... De toute façon, on n'a pas de lame de rechange. J'ai utilisé deux. Les deux m'ont lâché. C'est bien ce que je me disais aussi. Oh. Maintenant, il est coincé. Hein. Non, mais... que je me rappelle plus. Oui, c'est bon. Voilà. Alors que je regarde s'il y a une rectification à faire. Pas vraiment. Je passe au deuxième. Oui, mais là je me plante là. C'est l'autre côté. Voilà. Vous voyez qu'il y a un sens hein, à toute chose. Il y a un sens à toute chose. Donc celui-là, il va être un peu plus collé au. Ben, va falloir qu'il soit collé quand même. Je vais les coller au pli. Moi, je vais les rapprocher le plus possible du pli. J'allais oublier quelque chose d'important. Le ruban. Faut que je mette le ruban avant. Hop là. Alors, j'ai dit 10, 5. Hop là. 1, 10, 5. On fait un petit repère. Voilà, alors que je regarde quel côté est plus joli. Manifestement, je vais les mettre comme ça. Il est cramé là. Oui, bon, là, je vais les mettre comme ça. Hop. À la UU. Là, normalement ça colle tout. Ah, ça coule. Bon. Si, arrête-toi. Bon, d'accord. Tant pis, je passe un coup. Il faut que je colle le truc avant. S'il te plaît. Bon, je vais coller l'autre.
Hop là. Alors qu'elle me fasse des dégâts. C'est point grave. Je sais pas qui c'est qui gère comme ça, mais franchement, ça craint. C'est point grave, ça sera en dessous. Mais tu veux que le ruban colle. Ouais, et donc on va devoir attendre un peu que ça sèche. Donc on va faire un petit peu de blabla. On va blablater. Ça, tu te mets là. Tu ne bouges plus. Donc, je remonte. Il faut vraiment quelques minutes. C'est sage. Voilà. Enlever les lunettes, ça fait du bien. Et donc, eh ben, on attend que ça sèche un peu, que le ruban tienne. C'est important parce que j'avais oublié cette étape-là. Et nom de Dieu. Alors celle-là, je peux la mettre là. Ouais, non, mais je vais en refaire. Hein. Comme ça, j'en aurai si j'ai besoin d'envoyer des petits trucs. Et aussi. Pour la fête des mères, j'ai un gros truc à mettre, mais le big truc quoi, c'est épais, donc ça ira très bien dedans. C'est monté sur une paille, si monté sur une paille, je rigole pas, il y a une paille là. Et après, c'est couvert de fleurs. De fleurs et de gros pistils, disons. Voilà, voilà. J'ai de la colle plein les doigts. Et puis le gros nœud. Là. Ce matin j'avais pas mal attendu parce que j'avais fait une pause. Je crois que là je vais pas faire de pause. Je vais attendre un peu que ça prenne. C'est presque sec. Mais je suis naze là. Je ne me plains pas, j'explique. Je me plaindrais, je suis en train de gémir. J'ai le dos en vrac, c'est point grave. Je commence à avoir l'habitude. Hein. Le dos chez un fibromyalgique, c'est sensible. Très sensible. Je vais en profiter pour remettre des choses en ordre. Parce que tout est encore tombé. Voilà. Et puis si j'en ai ras le bol,
Le jaune, je sais pas où il est tombé. Il va falloir que je le cherche. Non mais ça va bien quoi. Je vais encore me mettre à quatre pattes pour aller chercher. Franchement, je sais pas où il est. C'est bien là. Pas de ce côté. On a dû tomber derrière. Je le vois pas. Bon, bah écoutez, là. Hop là. Ouais, voilà. Il manque d'équilibre aussi. Enfin, moi, je manque d'équilibre. Donc, on va coller ça. Je vous rebaisse. Voilà, je vais remettre mes lunettes de précision et on va coller tout ça. Oui. Ça. Donc se rapprocher.